Fon goumen pour ça. Et bien la société, j'en dis à l'ancel, après-midi, nous prenons le fond tout coûte, avec professeur, docteur, Gerbi Blaise. Bon, regardez si vous Blaise, oui, mais elle sous écran avec nous. Avec lui, nous prenons le fond l'idée. Question de poser, hein? Vous m'avez dit souffleuse, non? Qui ça la loi dit, sous yon moun qui condamné dans un pays étranger, en pile parler sous dossier ça, à soya invité, non, c'est professeur, docteur Gerbi Blaise. Pour qui ça nous prenons le fond avec lui? C'est parce que, étant que moun, il y a des choses qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître. Malheureusement, je dis, nous prenons une spirale. Côté la jeunesse, presque pas voulu apprendre. Ou pas, qu'on y a la jeunesse dans des blousailles tombées. Regardez ce qui a passé là dans Hèche. Et ma poudi moun la police dans Hèche. Qu'on y a moi la police décidé pour l'arrêter, ti mesdames, yo, faut te prendre la rue. Bon, c'est victime, yo, déjà. Son pas que ti moun qui pas éclairé. Et puis, gèle, parce que moi, quelqu'un qui a un tatou, quelqu'un qui a gèle, gèle, quelqu'un diaspora tout profiter. Son vrai de ti moun qui fait portant sur technologie. Et puis, technologie a trahi, yo, qu'on y a m'tendé dans l'arrêter. Vous faites qui ça? Qui infraction au commet. Et il y a un bagage grave qui arrive parce que nous avons des policiers qui ont arrêté, qui ont dans le téléphone, qui a partagé encore des bagages privés sur le téléphone. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas violer les droits de l'homme plusieurs fois. C'est victime, vous voyez déjà. Vous comprenez ça, vous? Donc, si vous êtes en temps normal, si vous n'avez pas arrêté, pas vous n'avez pas arrêté. Vous avez dit, vous n'avez pas arrêté. Mais, quand vous avez dit, vous n'avez pas arrêté là, vous n'avez pas dit, vous n'avez pas arrêté là. Vous avez mélangé, vous avez quitté ça, mais son pays est difficile. Donc, la jeunesse, je dis, vous ne pouvez pas l'apprendre, vous ne pouvez pas l'apprendre, vous ne pouvez pas prendre temps pour tant de monde. Vous avez plus souffert, hein, jouer des bêtises par l'empile, mais vous ne pouvez pas l'apprendre. Et bien après midi, il était nécessaire pour nous défendre parler. Ça fait longtemps que nous passons des professeurs Blaise. Et nous, en 2024, nous avons déjà souhaité une heureuse année, santé, bon succès. Professeur Gerbi Blaise, bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous? Bonsoir, Tété. Et merci pour VEA, pour VEO, santé à surtout, comme vous êtes là. Et moi, salut toutes les fanatiques pour vous. Mais d'abord, permettez-moi une salutation spéciale et vous voyez de santé, longévité surtout, à tout comme quoi les bouquets, tout internet pour vous, tout fanatique pour vous. À tout comme quoi des bouquets, mais pas particulièrement maman, baron pour qui ça, qui est fanatique. Oh, et donc c'est le TT, à Magalou, mon cher. On salue le TT. Donc, moi, salut maman, Magalou Blanfort, qui est continuant que l'examen, c'est qu'on prenait dans 115, moi, salut tout. 115, moi, c'était la sortie, c'est origine, moi, je ne vais pas oublier, ça. Donc, moi, salut tout, monsieur Yo, Babi, Tete, William, et équipe. Maintenant, merci pour l'invitation à TT, mais seul petit problème, moi, gagné, c'est parce que, ou annoncer mon petit en tout coup, parce que, moi, c'était fait, on veut. Et n'a rien pour ne pas parler du tout sur aucun sujet d'actualité. Mais là, c'était invité, j'ai dit, c'est pour pas parler, parce que. Difficile. Très difficile, parce qu'au final, on s'est mis hier, pas invité. Et puis, c'est. Pour le et pour me craser net, à des gens qui disent donc m'obliger, et on ne pas répondre de façon négative à cette idée. Maintenant, moi, je vais vous inviter encore, et le sujet, nous va permettre juste 3 minutes pour une introduction. Et c'est pas sauf, même pas 2 minutes, moi, pas intervenu sur, m'a évité toute réflexion politique, je n'ai pas évité toute subjectivité qui est basée sur l'étudiance doctrinale, parce que l'étudiance doctrinale, les pas sur les victoires en droit, parce que l'été invité, moi, tout le temps, je suis en train de me faire un peu de temps, en cacher tout le monde là, parce que il y a des notions à développer. Et moi-même, je me lis tout. Merci. On a apprécié son analyse du technomatifio, constitution, convention, loi, règlement, qui régit société. Nous avons choisi d'été, qui est très difficile, j'en fais choix tout, mais pas facile, pour me parler, pour me parler, bouche bée, sous ces deux faits d'actualité, pour me faire un pays en tant qu'haïtien. Mais nous avons bataille contre son secteur, parce que c'est très important de dire ça. Mais contre le monde, on critique tout secteur net, tout le monde, opposition au pouvoir, avec toujours Jovenel Moïse, monté dans le combat en 2019. Vous critiquez tout le monde net, parce que si je passe le jour de l'identité, je vais en faire là, moi, t'as payé ça tout le temps demain. Parce que nous faisons vœu pour me faire vivre Haïti, malgré toutes les opportunités que nous gagnons au niveau mondial, pour vivre. Nous avons une discipline pour vivre dans tout pays dans le monde. Et toute institution a toujours besoin d'un conseil, ça n'est le conseil juridique. Donc, on n'a pas quitté aucun monde intimidé, ni n'a menacé, ni n'a besoin de dossier de toute façon. Par contre, pour le tenir pour demain, mais je dis à moi, c'est parce que l'année, on est à l'époque de pays. Que tu m'as encore coché, tu dis une jeune etc. Pourquoi tu m'as une jeune mais la TTT est arrivée, nous n'avons pas de jeune. Et menace pas empêcher pour me défendre, même le marché de côté, tout ce point de vue. C'était en invitation là, c'est concernant qui est fait condamnation pénale gagnée ou condamnation pénale à l'étranger. Avant d'entrer là, professeur Gerbi Blaise, parce que monsieur, que, en dépit de tout ça, j'ai dit, il y a un pile jeune qui est en faculté de droit, qui a suivi vous, il y a un pile l'autre professeur, il y a un avocat, un pile juriste, un pile monde homme de loi qui a fait débat sur ça, qui a suivi vous. Nous t'en remets comme si on t'écoute introduction. Là, on a parlé de droit pénal. De qui ça n'a parlé exactement? On parle de droit pénal. Droit pénal, c'est lui-même qui l'a pour régir organisation sociétaire. C'est que l'organisation sociétaire, parmi les sociétaires, les gagnants, ils posaient des interdits, ils posaient des conditions pour que les malades ou que les malades ne peuvent pas faire. Donc, tout comportement antisocial, qui est-ce qu'il a pour lui, le réglementaire qui régit, c'est le droit pénal. Parce que le droit pénal a les gains de bagaille. Il dit, moi, pour les interdits, qui s'en met les incriminations. Qui c'est dans le principe droit pénal général là. Et il cause tout en élé, il y a un bagage qui est élé, sanction, ça n'est pas là. Maintenant, l'autre droit pénal, ou pas à gagner, il y a un pays qui dit tel comportement sont interdits, par exemple, voler, c'est interdit, viol, c'est interdit, parce que c'est des bagages qui sont mis sur le site là, qui peuvent être préjudiciables à monde.
prend l'argent blanchi avec comme sous fait comme dans l'état à investir dans ces deux comme déjà dit à investir de façon ici par les deux entreprises qu'on gagne ou fait ou payer c'est interdit mais lorsqu'il est interdit l'état la loi dit lui poser un comportement de ou comportement antisocial mais lorsqu'il fait le combien mais qui peine pour ce que subit donc c'est ça qui doit pénal là doit pénal organiser canguler et diriger canguler organisation sociétaire. Clair, nous d'accord avec ça. Pas de problème, professeur Blaise. Maintenant, nous voulons rentrer droit au but parce que il y a un sujet qui est actualité. Hein. Sujet A, nous pas prêter son cadre comme si individuel. Nous prenons un cadre général qui concerne tout le monde parce que ça arrive souvent. Mais puisque nous connaissons certaines fois, en Haïti en particulier, nous voyons politique là souvent primée sous toutes affaires de droit, sous bagage juridique. Yo. Mais en nous-mêmes, réalité technique pour nous garder qui ça va arriver. On imagine que, professeur Blaise, j'en pose des questions. Hein. On action qui posait en Haïti, il reproche mon bagage. Et yo arrêté mon nan en Haïti et yo voyé les États-Unis à le juger. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que le juge en Haïti la Kali. Mais yon tribunal américain décidé pour condamner mon nan pour ça reprocher que mon nan fait aveu, c'est-à-dire les coupables. Dis-moi, est-ce que condamnation ça a un effet sous ni côté au juge là, ni dans le pays mon nan côté où tu arrêté là qui c'est Haïti? C'est un bel sujet, et qui t'a demandé que pour un dialogue scientifique là-dedans, mais malheureusement, que nous allons passer inaperçu. C'est un exemple avec la question des sanctions des Nations Unies, nous que. Il va dire que c'est une société, pas une débat, pas une débat scientifique, mais on s'en veut que le dans l'université qui est prestigieuse, dans l'université qui est commettre un peu de travail sur la question du débat. Et c'est important parce que c'est l'engagement de société et l'engagement de citoyens. En condamnation pénale à l'étranger PP, l'ETP n'est pas limité au seul territoire, c'est plutôt que le monde qu'on a mis. Ça me l'est l'internationalisation des décisions pénales. Ou bien ça me l'est l'utilisation des décisions pénales. Et l'utilisation des décisions pénales, donc on ne peut pas être monde qui est sous livre, des doctrines. Et n'a pas rappelé, par exemple, qu'on dernier, pardon, bon, dernier test qui ont remis à la tête de en 2021, par exemple, notamment qui fait un gros travail sur ça, sur l'articulation des décisions pénales, c'est Vitarion Gianoui, qui fait un travail sur l'ensemble de droit pénal et de criminologie, l'université de l'Université de l'Université de la même année. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on a la soirée au monde dans un pays étranger, ça vient et fait chanceux d'identité dans l'autre pays. Pour qui ça? Pour qui ça, l'homme international établi et fait ça? C'est-à-dire extension des décisions pénales au niveau international qui sont prononcées par à l'étranger. D'abord, c'est pour protéger les citoyens. Yo. Et c'est important. Là, ils ont fait extension de décision qui soit, par exemple, il y a un monde dans ce client qui a quitté et extradé ou bien qui a été remis, qui a fait à pays États-Unis, soit il y en a qui a été à États-Unis, et puis États-Unis condamné mon cas. Eh bien, pour qu'il y ait extension, pour qu'il y ait décision, ça, ils ont fait en Haïti ou bien dans l'autre pays. D'abord, c'est pour protéger les citoyens, yo, pour ne pas punir deux fois. Ou bien pour ne pas punir, pour ne pas avoir sanction plusieurs fois, pour même bagaille qui ont été commis en Haïti, hein, ou bien qui ont été commis en Haïti ou aux États-Unis. Et ça, c'est un principe qui reconnaît sur le plan international. C'est pas mal à l'écrit, c'est pas monté, c'est pas oublié, c'est pas assez que la pétrie, c'est pas écrit, c'est pas essayé, comme si on l'école, on l'idée, mais c'est un mal à qui est établi par des textes normatifs au niveau international. On n'a pas bien droit pour suivre mon ni condamner plusieurs fois pour même mal à qui commettre là. Et ça a été consacré dans l'article 14.7 pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est ça qu'on a dit dans le temps. C'est consacré tout dans l'article 8.4 dans la convention relative, convention américaine relative aux droits civils et politiques. C'est sans ça, et c'est ça, deux textes là, ils ont traduit ça mené le sens de la centralisation des poursuites pénales. Pour qui ça, pour contribuer à bonne administration de la justice en matière de droit international. Ça veut dire que pour harmoniser la justice pénale là, États-Unis, Haïti, la France, Canada, donc ils ont centralisé la justice pénale. Les candidats, moi je dis que c'est un principe qui est fondamental, qui est reconnu par le droit international. Deuxième raison que vous consacrez la question de l'effet sur palia, on parle d'effet pour question de citoyens, nous parlons de l'effet tout sur la question deuxièmement, c'est pour sécurité territoire. Et dans la même question, avant de mal sur la question du territoire, effet sur, ou même que vous posez des questions sur effet décision qui commence à l'étranger, c'est le contexte là. Par exemple, on prend des mondes qui condamnés, pardon, des mondes que l'ONU Nations Unies dit, moi j'ai une obligation de réserve parce que moi fais partie des Nations Unies actuellement. Donc, l'ONU a des mondes que Nations Unies prononcent des sanctions contre eux-mêmes, par exemple. Eh bien, je dis ou non, question de criminalité organisée en Haïti ou non, avec terrorisme, peu importe. Et si vous avez jugé en Haïti, tout le monde aux Nations Unies condamné, en fait, pas condamné, mais qui prend des sanctions contre eux-mêmes, qui des sanctions, hein. Si vous jugez en Haïti, les États-Unis, même les États arrêté ou joué aux États-Unis, écoutez, l'idée est un juge, l'idée est un juge, en aucun cas, moi, sûr, à 100% les États-Unis, ils n'ont pas jugé encore. Son principe. Il y a un avocat qui dit, écoutez, client, on a été jugé, on a été déjà nous sommes bien condamnés, maintenant, on n'a pas jugé les États-Unis encore. Deuxième raison, c'est pour question de sécurité territoriale, le pays, par exemple, en matière de terrorisme. C'était dans ce sens-là, après, il y a un peu de monde qui fichait sur le plan international. Et toi, comme fichier dans l'interpol, etc., qui termine à fichier, ou bien qui est condamné, qui déclaré comme un qui est dangereux. C'est dans ce sens-là, après, que l'on demande visa, on peut demander, est-ce qu'on est participer dans un terrorisme déjà. Est-ce que tu es condamné pour un terrorisme déjà? Donc, ces deux raisons qui fait que effet décision internationale qui prononce à l'étranger, il y a effet sur l'autre pays, sans délai, l'internationalisation des décisions pénales, sans délai, l'extension des décisions pénales. Mais c'est plus sous premier aspect, c'est sous question de sécurité citoyenne qui fait actualité en Haïti actuellement, dans ce qui fait condamnation au monde à l'étranger à exercer
de trois façons. Et c'est ça qui intéresse. Et ça, on a dans le monde à l'étranger, ça a été de trois façons. Et c'est important. Mais ça a été la première façon, on a fait un délai en application de la loi pénale dans l'espace. Ça a été l'application de la loi pénale dans l'espace. Donc, on n'a pas besoin d'un accord en deux pays pour ça. On n'a pas besoin d'un accord en deux pays, par exemple, en États-Unis et la Haïti pour ça. Mais il faut payer en côté criminel, en fait, en côté infraction, en fait, dans l'infraction, en fait, en Haïti. Il faut que les États-Unis lui-même lui gagnent un délai. Réciprocité, c'est-à-dire qu'il faut les reconnaître quand il y a une infraction de blanchiment en Haïti, il faut infraction de blanchiment, ça te les reconnaître en législation américaine, dans tout ça, il y a des réciprocités. Et il faut infraction de blanchiment, les gens se disent, il existe dans tous les deux pays, c'est-à-dire qu'il y a l'effet de réciprocité. Et dans ce sens-là, si on a condamné dans un pays étranger, donc condamnation, ça, il y a automatiquement dans un pays citoyen, côté, mais t'es fait infraction. Ça, c'est la première façon que nous avons dit, et fait, quand il est fait en décision internationale, ça a une implication, ça a automatiquement les reconnaître dans l'autre pays. Deuxième façon de manifester, c'est ça nous aider sous l'identification de la décision pénale. Et c'est ça en fait actualité en Haïti actuellement. Deuxième façon de faire ça, c'est sous ça nous aider sous l'identification de la décision pénale. Dans ce sens-là, première façon de pas pas obligé de gagner un accord, pas obligé de gagner un accord international, pas obligé de gagner un accord bilatéral. C'est question de l'application de la loi pénale. Dans l'espace, si on commet une infraction en Haïti, par exemple, Libye et aux États-Unis, eh bien, Haïti, oui, écoutez son bagage, Haïti a demandé aux États-Unis pour poursuivre directement. Il demande pour poursuivre directement, l'État, c'est parti à Haïti, c'est le comité de gouvernement. À vous et en cas d'application, va initiation aux États-Unis, va y avoir l'autorité de poursuivre les États-Unis qui peut écouter mon mandat pour poursuivre tel bon pouvoir. L'État, il va le garder, est-ce qu'il y a une réciprocité sur l'infraction? Deuxième façon, c'est sur l'utilisation des décisions pénales. L'État, faut qu'on accorde, effectivement, faut qu'on accorde bilatéral ou bien qu'on accorde multilatéral qui existe depuis un monde condamné dans un pays qui s'y est accordé. Qui ça l'a dit? Décision ça, il reconnaît dans tout pays. Si on accorde entre Haïti, bilatéral entre Haïti et États-Unis, sous telle infraction bien déterminée, blanchiment, corruption, si on parle de juger en Haïti, automatiquement, j'en suis dit tout à l'heure, les reconnaître, décision ça, les reconnaître dans la législation, dans la justice américaine. C'est même genre, si on a les juges États-Unis, là, en Haïti, ou accord bilatéral sous ça, eh bien, écoutez, il faut que ça, les reconnaître en Haïti, et les votos pour s'amener à l'accord multilatéral. Et c'est notre stratégie, on sait qu'il y a une fraction qui entre dans la circulation des décisions pénales. Donc, nous prenons, par exemple, cas de blanchiment, cas de corruption, qui est consacré par une convention, que nous avons convention du Palais des Nations Unies, qui était et adopté, conclu le 15 novembre 2000, sauf erreur de ma part, par un paquet de pays. Par un paquet de pays pour deux raisons. Pour deux raisons, tout ça a été conclu convention, ça. Accord, ça a soulevé, accord, convention, charte, protocole. Donc, en droit international, on sort du barrage de liberté formaliste, et que, pas n'importe quoi, il y a charte, il y a l'accord, il y a le protocole. Pour deux raisons, on a été conclu à cause ça. On a été conclu à cause ça, on sort d'une carrière, on dit c'est bien dommage. On dit c'est bien dommage, on dit qu'au monde qui font en faction Haïti, pour juger, c'est bien dommage. Mais c'est dommage pour qui ça? Pour deux raisons, on a été fait, on a été conclu à cause ça. Pour pays côté justice faible, parce que l'habilité Haïti, justice là, donc justice minimale, donc justice très faible. Et bien parce que pour côté justice faible, pour éviter impunité, conseil du monde qui fait beaucoup d'entrailles, il ne va pas faire un et pour éviter, et surtout pour ça, pour citoyens ou pas jugés, ils ont tout dit, ils ne pas juger deux fois pour même balai là. Et Haïti fait partie des conventions de santé à partir de 2011. Mais retournez sur ça encore, à partir de 2011, vous quittez ça, Haïti signé à Kosa, moi, quoi, sauf que je vais le 13 décembre 2000, mais il est parti dans Akosa à partir de 2011, le 19 avril 2011, non, qui sont pas très bien, vous pensez que ma vie est solide. Troisième façon, c'était quand on est sur le fini, côté que effet sur ce deuxième cas qui a manifesté, troisième façon, c'est annulé, troisième façon, c'est qu'on a nation étrangère à gagner sous le pays, ça y est, par compétence universelle là. Compétence universelle, c'est ça la vérité. Il y a des fractions que l'on pays dit, écoutez, il y a des importants politiques. Par exemple, les États-Unis, pas bien, il y a une grosse tragédie qui est passée et en 2001. Est-ce que c'est et 13 septembre 2001, c'est gagné, il est passé dans un attaque terroriste, World Trade Center. Voilà. Maintenant, il y a des pays qui disent, écoutez, tout crime contre l'humanité, libère cette compétence universelle pour juger ça. Par exemple, la France, donc on a, comme on dit, ça, c'est bien, la France dit, écoutez, tout le monde qui commet un crime contre l'humanité dans un pays, par exemple, Haïti, ou même qui commet un crime contre l'humanité en Haïti, ou bien dans un pays à l'Afrique, dépose sur le territoire français, qui s'appelle sur le territoire français. La France dit qu'on fait que, ou sur le monde qui commet un crime contre l'humanité en Haïti, ou bien en Afrique, dépose sur le territoire français, la juge automatiquement. Oui, professeur Biazola. Allô? 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 Et où la professeur? Oula, oui, comment elle a avancé? Donc, la France va être établie en compétence universelle pour essayer de l'éducation qui est crime contre l'humanité. Donc, ça veut dire qu'il y a trois façons. Dit ça hier, l'homme d'affaires réaction sous tweet, sous déclaration, professeur Bernard Gousse. Non, mais avancé. Donc, ça veut dire que l'idée que l'éducation pénale a lieu pour le territoire national, côté crime, c'est pas ça lié. En fait, tout ça, c'est pas ça lié. C'est pas ça lié tout juriste qui, avec tout le respect que nous avons, qui t'a avancé thèse côté que si nous commettons une infraction en Haïti, c'est là, c'est bien, si on a des États-Unis, c'est là, c'est bien, maintenant, les compels, juste après compels. Parce qu'il y a plusieurs façons, j'en suis dit, il a voulu trois façons, côté qu'on condamne son capet, mon pays étranger, et puis les effets sont l'autre territoire, malgré que tu as condamné ce territoire-là. Donc voilà en gros, et on mise en contexte en introduction de effets qu'en décision pénale qui prononcée à l'étranger qui a gagné son autre pays, malgré que tu as prononcé dans ton pays. Ça veut dire pour me comprendre, picaler, professeur Gabi Blaise, ça fait me comprendre que dans l'application droit pénal, la compétence,
Donc, li territorial, mais Eiffel, pas territorial, li ka étonne presque dans le sens universel. Bien sûr, c'est ça, il est que, mais il n'y a pas de bien sens, sinon que, il n'y a pas de bien sens, sinon à 14.7 et pas que international relatif aux civils et politiques, il n'y a pas de bien sens. En article 8.4 sous convention américaine de la droite, parce que sinon, c'était, il y a eu un jour où il y a, mais qui nous était, là où est la permission ça? C'est pas contre nous, contre l'intérêt, c'est droit et tout. Parce que, il y a prononcé une chose d'Italie, il y a prononcé une décision pénale contre lui, aux États-Unis, aux îles innocents. Eh bien, même le langue laïque, pour même faire, ou mettre son autre travail, ou pas lui, non. Donc, l'intérêt citoyen, tout, l'intérêt citoyen, tout, l'intérêt citoyen, tout. Si mon Haïti, je dis, moi, je commets une faction, je même commets une faction, et puis je juge mon Haïti, quelque chose, j'en sais rien, moi, je suis à 400%, sous même fait ça. Que on dit que, bah, on est, bon, ça, c'est même dans mes rêves, je ne sais pas, moi, ça, c'est détourner l'argent l'État. Et puis, moi, quand l'argent, ça, moi, aux États-Unis, mais donc, ça, bien, deux fois, ça, il est aux États-Unis. En Haïti, des questions poursuivent contre moi-même. Je ne parle pas de ça, là, c'était une analyse, mais des questions poursuivent contre moi-même, jugez-moi. Mais quand je t'appelle, c'est que m'appeler des décisions, des tribunaux, là. La Cour de cassation, il dit qu'il est consacré, en innocence, il dit que 1200 barres perdent. Eh bien, États-Unis, il dit qu'il y a 4 chaînes d'hôtels ou bien barres perdent. Il dit que l'investigation, il dit comme ça, il sorti, il dit que c'est comme ça, il dit qu'il est en Haïti. Il dit garantir à 400%. C'est pas la même question que oui et blanc. C'est pas vrai du tout. C'est pas qu'ils sont blancs, blancs, peu importe, blanc, vous avez fait tout caché, en vue quand même. En bas, la bien de pour qu'elle passe pour lui. Correct. Donc, il n'y a pas quel contrat pour vous, comme du coup, c'est qu'il va le faire et avec autorité. Donc, d'ailleurs, en diplomatie, les gens nous pensent que c'est. Oui, c'est la loi. Depuis combien de gens nous pensent que c'est question du Bible en Paris, qui dit que c'est une balaye pour lui. Et nous avons débat sur Jovenel Moïse, que tu dis en Jovenel Moïse, c'est quoi, il y a le signe Venezuela parce que c'est mal question. Non, d'ailleurs, que le sanglier des questions menace et qui dit en droit d'attention, ça va exister. Mais négociable, il faut faire un quand même pour le passer dans la partie. Ou bien, il n'y a pas de capacité de négociation et puis il utilise les faiblesses pour y passer, mais c'est pas comme si un gros poignet qui prend comme ça. Bien sûr. Maintenant, c'est nous-mêmes qui connaissons comment que pour nous négocier, pour nous parler avec les personnes, là, c'est même dans tout. On décide qu'ils sortent en Haïti, en tous les unions. Et puis, ils sortent d'y atteindre, d'y l'autorité de la chose jugée. Eh bien, États-Unis, avocat va parler, ça, avocat dit, écoutez, puis il y a un juge en Haïti déjà, donc, nous ne pouvons pas subir, États-Unis, malheureusement. C'est la sécurité juridique. Moi, je vais vous en avoir dit. Nous avons une personnalité, parce que c'est moi qui ai été aussi ça. Vous savez que moi, j'étais en France en 2020. En 2020, j'étais en France, et puis, moi, j'étais gagné dans le dossier sous général. J'étais gagné et parquet qui était détenu, non, juge d'instruction, hein, qui était détenu des mandats d'arrêt. À l'encontre de plusieurs actionnaires de Sogener. Parmi tout avocat, chaque actionnaire de Sogener a un avocat. Moi-même, j'ai été représenté Dimitri Bob. Écoutez, tout avocat de réunion, tout le monde a un point de vue, un point de vue par nom, c'était contesté et mes mandats. Ce que l'autre avocat était opposé à faire, il était l'autre stratégie par nom. Il dit moi-même stratégie par nom, que moi-même sécurité client, non, c'est contesté mandat, peu importe. Parce que l'ordre de ses politiques, c'est pas politique pour faire ses droits pour faire. Bon, il y en a quand même confiance, il dit ok, c'est d'accord. Comme tout le monde vient avocat par nom, il dit ok, j'ai mis un petit pour moi. Donc, il a fait la France COVID, non. Maintenant, on a été une partie de maintenant, on a été le 14 ou quoi. Non, 14 ou 16 août. On a été le mandat de 16 août, on commence le 14. Eh bien, écoutez, il y a arrêté Dimitri. Premier bagaille, Alistaton estime que Alistaton, en fait, pas Alistaton illégal, il estime que mandat illégal, vous contestez. Premier bagaille, avocat américain, c'est réglé. Il m'a dit, est-ce que vous contestez et mandat mandat ça? Il dit oui. Il dit oui, vous avez mis. Deux jours, vous contestez mandat. Eh bien, c'est la contestation de ce mandat. Combien qui fait que l'avocat, lui-même, l'idée de Dimitri Carrel. Lui, moi, j'ai expliqué. Moi, j'ai expliqué, moi, dit, mandat à part à exécuter parce que l'on était suspensif, il est contesté devant la cour d'appel. Il défend Dimitri Gabel. Donc, blanc respecte les droits. Donc, c'est pas que nous mettons en tête, oui, c'est blanc, la peine n'est pas blanche. Non. Maintenant, je dis, en hein, décision qui sortit mon pays, mais sortit en Haïti, l'Ivine aux États-Unis, moi, je vous garantis à 300% côté que juridiction états-unienne, américaine, pas respecter ça parce qu'il y a des décisions à l'autorité de se juger. Maintenant, dans le cas de la parler des traités de la Cour internationale, et même moi, j'étais compris, c'est deux balais importants, la question de partie à un traité. Kilo, ou même le conseil ou l'État, au pays, et ses membres, et ses partis en traité. Parmi nous tout à l'heure, la question de passer en traité, accord, les grands libertés formalistes pour carrer l'accord. Bon, on a été moins bien, on gagne pas commodité pour nous, tout le monde a pu aller jouer l'accord international traité. Mais normalement, on carrer le traité, on carrer l'accord, on carrer le champ, on carrer le protocole, on carrer n'importe quoi, parce que les grands libertés comme formalistes, dénomination n'importe quoi. Maintenant, le droit international des traités, c'est très important. Le droit international des traités et normes nationales, ils ont tous les deux, ces deux barrages différents. C'est qu'ils ont juste de s'en aller corps autonomie. Bah, les traités. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le droit des traités, c'est le traité lorsqu'on signe en traité international. Avec constitution de l'Union européenne, constitution de l'Union européenne, je ne sais pas quoi, TTA. Ouais, non, les personnes internes, nous disent que la hiérarchie normative, c'est constitution d'abord, et puis traité international, et puis loi, et puis règlement. Non, en droit international, pas rien ça. En droit international, chaque bagaille est autonome. Traité aussi, hein, que l'État ou la choix, et pour faire partie de l'IA. Lui, son bagaille autonome, il n'y a pas autonome, en droit international. Constitution, il n'y a pas autonome, pas autonome. Ça veut dire que tout finit en traité, finit ou ratifié. Des bouffins ratifiés, ou pas évoquer constitution là pour dire que oui. Pas oui, traité ça, il n'y a pas député, par exemple, en disant au monde qu'il y a extradé. Il n'y a pas d'accord extradé tel monde parce que lui, contre la constitution, mais non. Non, on va évoquer constitution pour éviter, pour exécuter un traité international. Ça va éviter. Deuxième bagarre, c'est signature de traité qui s'allie, en l'État. Lorsqu'une signe, et c'est très important, lorsqu'une signe en traité, il n'est pas conféré à l'État que le parti pour ça. C'est-à-dire qu'Haïti signe en traité, on dit que c'est une chose d'Italie, on va sûr de parler maintenant, Haïti signe le 13 décembre 2000. Lorsqu'une signe en traité, Haïti, pourquoi pas si, à quoi pour ça. Bon, l'autre deuxième étape, c'est ratification. Ratification, c'est l'exprimer concernant un pays.
Donc, si vous êtes d'accord avec Haïti, instrument de ratification par là, parce que instrument de consentement, il est réalisé par plusieurs façons. L'éducation, ratification, l'éducation, approbation, l'éducation, adhésion. Mais c'est lorsqu'il dépose l'instrument de ratification, ça, dans l'ONU, dans la Sous-Unie, c'est le temps qu'il considère comme une partie à traiter. Et lorsqu'il passe à traiter, il est imposé par rapport. C'est pour ça qu'on va parler d'Haïti. La Convention parle de sous-condition sous crime transnational, sous crime transnational, criminalité transnational, on va pouvoir Haïti une partie là-dedans le 19 avril 2011. C'est le temps Haïti exprimer le consentement, les déposer la ratification. Tout ça, c'est très important, ça va le dire. Et son erreur, ça fait longtemps en Haïti. Moi, je compte erreur, c'était pour qu'on est à vous. On va profiter de compte erreur. On doit suivre. La 5 sur 5. Alors, suivez-vous 5 sur 5. Je compte erreur à tout. Mais par rapport avec chance, moi, j'ai une fait expérience à moi, j'ai une fonction, j'ai un travail, j'ai une fonction, 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 la ratification en droit interne, lit totalement différent avec la ratification de l'international des PTA. Et ça, c'est pas moi qui invente, c'est convention de Vienne, convention de convention de Vienne, 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 de Créant l'officiel, nous devons être capables d'Haïti signer en traité le 13 décembre 2000. Il faut passer dans un traité. On y est. Après, il y a 3 000 cas signés en traité. Le président, ou bien chef gouvernement, ou bien ministre étranger. Ça, les ex-officiers. Excellent, il y a été dans le président. Reprends ça, reprends ça parce que le très important. 3 mounes ou dit que qui est capable de signer un traité. Président, chef du gouvernement, chef du gouvernement, et puis ministre étranger. Mais le plus souvent, on y est. Le ministre étranger n'a pas déplacé, par exemple, à une cérémonie internationale. Il va appeler plein pouvoir avec ambassadeur qui représente la Nations Unies. Ambassadeur qui l'a, ou bien ambassadeur qui l'a, dans le pays quotidien, ça le fait dans plein pouvoir. L'État son document écrit, il va le mandat, il dit, moi autorisé, ambassadeur, représentant de l'autorité pour signer la place, moi le pouvoir pour signer. Mais c'est 3 membres qui ont des qualités pour signer en traité international. Le chef de l'État, le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères. Maintenant, l'Eltin signé texte en TT, pardon, l'Eltin signé texte en Haïti signé, Haïti pour passer à TTA. Il faut faire partie de membres. Il faut signer, et c'est pour ça que c'est que vous contactez, lorsqu'il signe TTA, il est indépendant de la constitution pour parler. Constitution en TMT, c'est un cadeau constitutionnel et pas prévoir ça, ou pas avec député pour qui ça. Lorsqu'il signe TTA, il est là à Wabel. Le président, le premier ministre, là à Wabel. Lorsqu'il est là à Wabel, il faut que le Parlement pour le Parlement ratifie le pouvoir. Parce que le Parlement prévoit, la constitution en faut le ratifier, et bien on fait ratifier là à Wabel. Là, ratifier là à la ratification doit être une sorte de mandat. Son mandat par le membre et président, il dit président, écoutez un bon mandat, ou finissez en traité, ou portez le bon mandat par le membre, moi j'ai des bons recueils, conforme à la constitution, non, à la constitution noire, et bien mon bon mandat, mon ratifié, moi je vous mets à la ratifier sur le plan international. C'est ça où il est la ratification législative. La ratification législative, c'est mandat par le membre et président, il dit, écoutez, finissez, vous pouvez partir avec nous, vous pouvez partir, vous pouvez faire une partie de membre, à quoi? Parlement, c'est ratifié pour vous, les parlements, c'est ratifié pour vous, et puis on va le souper international de l'Union, ou bien la Nation Unie, ou bien côté TTIA, qui c'est depuis qui déposé là, parce que la Nation Unie a déposé là, on a tout choisi, on l'a fait. On l'a organisé international qui déposait là. Je n'ai pas parce que c'est l'idée positive là, ça veut dire que c'est l'année pour nous assigner. Et bien, le président tourne pour vous écouter. Nous sommes dans le mandat, non, mais parlement. Non, parlement, dis-moi, car moi, ça l'a fixé, etc. Et c'est le président lui-même. Lui, il y a un plein pouvoir ambassadeur là, ou bien le déplacer, si vous en comptez, il fait le signal personnellement, ou bien pour lui s'assigner, ou bien lui, ou bien lui, ou bien lui, ou bien lui, mandat, bien ambassadeur là, lui, il signale pour vous parce que le parlement l'a fixé. Maintenant, conséquence, c'est si le président lui choisit, si il choisit l'officiel pour nous. Les fonds instruments de ratification, parce que instruments de consentement, ils ont la ratification, ils vont l'être. Les conseils, écoutez, moins d'accord pour signer le traité d'État. Les d'accord pour ratifier le traité d'État. L'Elfin a ratifié pour rien, eh bien, ils ne viennent pas qui aveugle. Ils ne viennent pas qui avec accord à rien, ils ne viennent pas dans l'accord. Avec constitution, ça, on ne vous dit pas comment avec l'État, c'est pas d'accord. Professeur Blaise, où est parti ça, on va expliquer là. L'est extrêmement important, et fort comme on a des niveaux pour le comprendre, ça va parler là. Je pense que, je dis à nous prenons nos situations dans l'engrenage, bah, il y a compliqué de vendre, non, mais non, parce que nous gagnons une société qui presque pas de référence, presque pas de modèle. Son jeunesse, bon, des guettes. Il y a pas sous ni ligne, ni apprenant rien, il y a sous TikTok, fait toute qualité causée, mais il y a pas prendre temps pour autant de monde qui a parlé. Ça va dire là, pour me réfléchir, pour me dire société, là. Attention à mon avoué dans le Parlement. Effectivement. Parce que, yon nan bagay, d'après ça, vous comprenez, professeur, vous avez expliqué là. Traité à la parole automatiquement, nous finir ratifier. L'Ipral fait partie de source droit nous. Automatiquement, on paye ici, on traité, li ratifié, li vin fait partie de droit nous, de droit pas nous. Ça veut dire que si le Parlement haïtien, pas de monde qui a un niveau, pour garder ça qui n'a traité à, s'il est compatible avec sa constitution, a dit, est-ce que nous, on a qui ça nous apprend? Parce que non, pile monde qui a parlé dans les médias, qui a donc pas qu'à poser tête en bas, on va me comprendre ni sens yo. La oui, constitution dit, ok, mais attention, et ça qui pas dit, et les non dit. Professeur Blaise, je pense que parti ça, li extrêmement intéressant parce que droit sont belles bagages liés, droit c'est débat, et je pense justement, fuck, des monde qui connaît, qui prend du temps pour faire débat sous question yo. On retourne sur petit parti ça. Vous savez, mettre que tu as du verso. Il remet la réponse, il est professeur Blaise, on remet parti ça. Professeur Blaise,
nous font retourner sur question traité A. OK. Maintenant, je te dis, il y a un traité ou bien un accord, un protocole, binational ou multilatéral, il y a deux étapes là-dedans. Trois étapes même. La première étape là, c'est négocier. Négocier, je te dis tout à l'heure, président, c'est lui-même, dans le cas d'Haïti, l'Islam haïtienne, article 169 de la Constitution, c'est libre président prérogative, il est capable de négocier, traiter à compte national. Maintenant, le président l'a négocié, il peut discuter sur lui. Il va y mettre des réserves, il dit qu'il propose un amendement, il va le faire là, on parle de son texte d'extradition. Président haïtien, président français, président américain, peu importe, chef gouvernement et barbade, il y a des côtés, c'est parce qu'il y a qui m'a placé là. Et c'est ce que je dis là. Bon, c'est qui m'a placé là. Bon, ou à l'île pas bon, ou à pas bon là. Pour moi-même, je vais proposer de demander. Professeur Blaise, ou tellement parlé de l'huile, permettez-moi de lire l'article là pour pays. Article, parce que depuis dans section B, des attributions du président de la République, qui depuis dans l'article 136, que nous avons habitué à répéter, mais article 139 là, il dit que le président négocie et signe tout traité, convention et accord internationaux. Il est soumis à la ratification de l'Assemblée nationale. Vous m'avez avancé. Oui, donc, c'est maintenant, le président a une prérogative pour négocier ce texte-là. Négocier veut dire que c'est discuter ce sera bon pour pays ou là, en conformité avec la Constitution-là. Encore une fois, professeur. Où est son débat n'a fait là? Où est pas interview? D'où la nécessité pour nous suspendre, voter, monde incompétent, mettez dans le pouvoir. Parce que le président, il faut qu'il ait une capacité de négociation. Il faut qu'il ait négocié pour le pays. Alors, par rapport à l'équipe, il n'y a ni lecti ni écrit, et vous mettez comme chef de l'État. Vous m'avez avancé, professeur. Le président qui négocie texte, qui ça le fait, c'était. Il dit bon, ministre. Le plus souvent, la négociation de l'accord ou bien du texte international, c'est toujours fait effectivement. Le président qui dit chef, mais il ne fait pas. En réalité, il ne fait pas ministre à l'étranger là. Maintenant, il négocie, il dit mettre d'accord là, mettre d'accord là, et puis c'est capable au vote. Tout le monde dit d'accord, c'est quand il négocie, c'est quand il finit, finalisé dans tout le pays. On dit 40 pays. 40 pays, ça veut tomber d'accord sur texte là. Combien? Pays qui a signé. Haïti choisit pour signer. Moi, je dis tout à l'heure, il y a trois mondes qui viennent prérogatifs pour signer un texte international. Annuler les ex-officiaux en droit international des traités. C'est le président de la République, le chef du gouvernement, ou bien le ministre des Affaires étrangères. Si yon yon là dans yon, yon tout a empêché, yon va en plein pouvoir avec annuler ambassadeur ou président par yon, qui dans le pays. Maintenant, vous n'avez aucun signé texte là. L'aucun signé texte à Pounien, yon peut qu'on fait partie de la loi. Non, yon peut qu'on membre. L'aucun signé texte à Pounien, le droit international va possibilité de vous signer, pour qu'on ne peut pas venir chien à demain si je veux, on va venir dire que vous êtes signé par la constitution là, à la loi texte là. À le présenter devant le parlement là, et c'est là que je vais vous dire, il est important qu'on gagne des parlementaires, c'est à vous présenter. Le contexte là, on soutient Andy, on soutient en Italie, Andy, on soutient New York, en États-Unis. À la belle carrière, on doit pour réfléchir, pour soumettre à Parlement là. Et ce Parlement là, pour être sanctionné, il va dire oui, nous, avec les conformes de l'Union extérieure nationale, président de bon mandat, pour ratifier le gouvernement. Donc, il y a deuxième étape, qui c'est, premièrement, au fin négocié, ou signé sur le plan international, et pour retenir la carrière, on va faire ratifier le gouvernement. Et l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Donc, la ratification législative, c'est lui-même qui sont sur le mandat du président pour la ratifier avec l'enforcement international. Donc, c'est deux ratifications. Maintenant, c'est la ratification sur le plan international, c'est lui-même qui convient une partie à cet État. Et depuis qu'il est ratifié, on va dans l'Union 14 ans pour être difficile. Arrêtez. Anne Fontirité là. D'accord. On t'a dit que, comme nous ne parlons pas de Codia parce qu'il n'y a pas de parlement, parce qu'il est bien dit, il faut qu'il est ratifié par l'Assemblée nationale, ça veut dire ensemble deux branches parlement, la Chambre des députés et le Sénat. Donc, pas de ça. Cependant, on t'a dit que, tout ça fin fait, président, il négocie, il signe, etc. Et puis il voit l'hypothèse de l'Assemblée nationale pour ratification. Il a ratifié texte là, texte publié. Voilà que l'autre gouvernement qui vient après, il estime que texte a été mal ratifié. Est-ce qu'il y a une capacité pour révoquer texte là? C'est peut-être ça. Mm-hmm. C'est bien. Je suis content de vous poser ça. Yeah. C'est peut-être ça doit être une possibilité pour capable faire un salaire pour dénoncer texte là. Okay. Ou bien, pour dénoncer texte là, par exemple, ma cause de parole. Premier ministre Ariel Henry nous dit que les sont communistes de facto. Oui. Mais désolé. Le droit international dit, il n'y a pas besoin de connaître, est-ce que son gouvernement n'est pas intérim, dès lors que son chef de gouvernement a le droit, il doit signer tout accord international. Il n'y a pas besoin de signer. Maintenant, l'ultime signe, nous estimons, le Parlement estime que le gouvernement a son gouvernement de facto, il n'y a pas besoin de signer, c'est le Parlement qui a le droit, payant l'autre gouvernement qui vient de signer, il va se dénoncer avec ça. Là, vous écoutez, moi, demander que c'est temps pour me retirer la donne de la capacité d'accord. Intéressant. Maintenant, bon, l'autre bagaille, en droit international, si vous finissez un accord sur la TTIP, vous faites 20 ans à pratiquer, en disant que vous n'avez pas d'accord qui existe là, vous êtes Haïti et les États-Unis. Mais Haïti, par contre, le gouvernement par contre, l'a fait moins compris. Moi, je dis, si vous êtes ministre de la Justice, prenez acte que nous avons posé. On va préciser combien, et maintenant, 24 heures après, c'est à demander au ministre étranger là, vous voyez tout accord, je dégage tout accord Haïti signé, surtout accord après 1945 que les Nations Unies ont créé, vous voyez pas le gouvernement pour nous publier, c'est important. Parce que Haïti, aidez, vous donnez que mon avis, Haïti pas signé accord sur les traditions. C'est pas possible. Vous n'avez pas d'accord Haïti signé là, oui. Oui. Mais nous ne connaissons pas. Maintenant, c'est deux voix, c'est le ministre de justice là, et le ministre de justice là, c'est tout. Oui. Madame le prophète, les cas, demandez au ministre à l'étranger là, M. Généus, lui demandez, lui dit, écoutez, dégagez-vous, joignez pas de galère, dégagez-vous dans le sens, c'est une question de collaboration interministérielle. En ouais, en joigne,
tout traité haïtien, comme publié, parce que la protéger citoyen. Non seulement la protéger citoyen, j'en ai dit, mais la bonté pour sécurité l'État. Maintenant, depuis qu'on finit, on finit ratifié à quoi ça, donc on exécute. Maintenant, si on ne peut pas exécuter, qu'on n'a pas de problème de ça, on va voir que il y a qu'à condamner Haïti devant la Cour d'appel de justice. Maintenant, on y a, dans ce dire, si mes CTT pas gagné qualité pour se signer sur un point national, et bien moi, je dis président, ça me fait moi dénoncer à quoi? On dit, moi, pas d'accord avec, parce que mon CTT, on dit, pas d'accord, on sortit et non, à quoi? C'est ça, ça, c'est parfait. Mais tout qu'on va dénoncer à quoi l'égalité applicable ou pas ça, vous en dites constitution, vous dites constitution, non, pas de tradition, non, pas de constitution, pas de tradition, mais aussi, on a quoi international sur tradition. C'est ça, comme je dis que la constitution, c'est le droit interne et le droit international des traités, il y a aussi autonomie par eux. Ou par rapport à cette constitution-là, vous dites, on va exécuter un traité international. Non. Maintenant, on est sur le plan interne. Ou qu'à bloquer l'exécution, ça c'est au même que l'interne devant la juridiction nationale, mais ou pas empêcher pour le décider. Maintenant, bon, l'autre décision, mais je fais ce qui est important dans ce dire. Ça vient de dire, même là, ou qu'à dénoncer. Mais si on a un accord extradition avec les États-Unis, par exemple, ou bien la France, ou fait 50 ans, on va voir ce qui est appliqué. On dit, ou tiens, depuis 1950, on va voir appliqué. On va appliquer, on va appliquer. Tout gouvernement qui vient de venir, gouvernement préval, gouvernement Matéli, gouvernement Aristide, ils ne vont pas me dénoncer. L'on parle qui nous a dénoncé, il y a besoin de vivre tout ça. Parce que bon consentement par la pratique que vous faites. Parce que 50 ans, on va pratiquer, on va jamais dénoncer. C'est là, il dit, ah oui. Donc, il y a. Le phénomène va dire, écoutez, vous avez tel monde ou pas pour parce que son théorie est, et bien, il parle devant la Cour internationale de justice, va l'écouter. Ou pas qu'à venir dire, dénoncer le gouvernement, parce que c'est trop tard, parce que vous comportement ou vous comportement dans un consentement pratique avec régularité, c'est-à-dire, donc, ou pas qu'à dénoncer encore parce que vous avez trop tard pour pratiquer. Donc, c'est parce que, je vous dis, il est important pour nous des mondes qui valables, qui représentent la parlement, parce que nous, ça, c'est pas l'apprécier, traiter à l'église de le président côté de Bayo, pour lui-même, pour lui-même, pour parlementaire, pour l'analyser, pour dire, est-ce que c'est calé pour la question, ou est-ce que répondre avec valeur, pays nous, etc. C'est maintenant, par exemple, sous fin signé encore un bon exemple comme ça. Sous fin signé encore sur question de homosexualité, mariage homosexuel par exemple. Nous même dans le pays, nous avons une tradition que non pas cette promotion pour homosexualité, même leur droit, etc. On respecte les gens. Non, mais ça ne va pas, même pas qu'on est non? Où elle est? Non, non, mais nous ne connaissons pas, c'est au cap là, on a un petit bagage qui fait au cap. Et même dans le petit bagage, là, moi, il y a deux mondes qui ont deux petits filles qui ont passé main sous l'autre. Elle dit qu'on a envie de prendre dans le pays, ou pas faire un coup de jeu, ou pas nous gagner ça. Nous avons dit, ah, il y a tes propositions, comme ça, mais pas le moins. Il faut qu'on ait. Tellement qu'il y a encore, nous ne pouvons pas nous dire, ça, il faut nous poser des questions, ou pas ça. La première étude qui a été et à laquelle je suis soumis, c'est que moi, j'ai une obligation de réserve pour l'emploi. Okay. Mais deuxième valeur entre tout, moi, j'ai une obligation de neutralité. Oui. Parce que quand tu fais partie des Nations Unies, ou une obligation de neutralité, ou pas qu'à. Oui, mais bon, mais quand même, aujourd'hui, on va tomber sur le pari comme ça. C'est bon. Et maintenant, tout ce qui est encore pour homosexualité ou reconnaître mariage homosexuel. Et puis, vous dites que vous êtes consacré au signal, au bord de la Constitution, au signal ou à l'officiel. Mais c'est pas après que vous dites que vous êtes consacré, les valeurs que nous gagnons, que nous gagnons. Maintenant, qu'on a fait ça, c'est qu'on a gagné au Parlement, des parlementaires qui ont une capacité d'analyse, de réflexion, pour qu'on a dit, écoutez, c'est ça, il n'y a pas reflété les valeurs de la Réunion, nous, quand on a été dans le droit, nous avons un mandat pour la ratification sur l'international. Donc, ça fait que c'est important, effectivement, qu'on ait des gens qui sont valables dans le Parlement. Et c'est là que ça a été, qui fait que nous avons un sujet d'actualité. Peu importe, ou pas de personnalité, mais c'est important parce que moi, j'ai tout mis en pile. L'heure a été ratifiée Convention Nations Unies contre criminalité organisée, qui s'est conclue le 15 novembre 2001. Que nous avons dit tout à l'heure, Haïti vient de partir à la Convention, le 19 avril 2001. Nous avons énoncé tout à l'heure le principe directeur de ratification accord qui vient au regard de la Convention, d'où Convention Vietnam, qui c'est, et Convention 69 et 46 ans, et surtout au regard du droit international des traités et au regard de l'article 32 de la Charte des Nations Unies. C'est dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des juristes haïtiens qui disent, mais non, Haïti, moi, j'ai été en discussion avec un juge qui est très compétent, qui dit, mais Gabi, bon problème, parce que la Constitution haïtienne, non, il n'est pas prêt, en tout cas, il interdit l'extradition. Il dit, mais ça, c'est le problème d'Haïti, ça ne regarde pas le droit international. Donc, on va dire, les constitutions-là, effectivement, que lui-même n'est pas connu, nous, on discute sur ça, moi-même, on pas connu tout, ou dans le droit international, ou pas qu'on excuse la constitution-là. Que vous dites qu'il va pouvoir écraser sur ça. C'est pas la parce que, ou t'es dit, c'est une si, il n'y a pas de pour écraser au monde, ou écraser des messieurs du Kiribati, pour écraser, parce que, bon, ou t'es dit, c'est d'accord, ou t'es signé convention ça, convention, et 2000 ans. Professeur Blaise, attends, le coq, on va aller vite là, parce que, majorité monde qui prend position des avocats, bon, quand même, anciens, n'attendez dans le pays, hein, ils ont tout dit que pas de jambes de question accord, pas de jambes de question en accord qui était signé, accord comme si traité d'extradition entre États-Unis et Haïti, pas de jambes de bail comme ça du tout. Qu'est-ce qui lui a capoté en plus ou non? Parce que c'est vrai, on évoquait question de 2000 ans, mais justement, on continue à dire ça dans les médias, sur les réseaux sociaux, ils ont dit pas de jambes de accord qui était signé entre Haïti et les États-Unis pour question d'extradition. Pas non plus éclairage sur ça. Ok. La première façon, en fait, pas la première façon. Premier conseil que ma baille, je vais sur les réseaux qui parlent, font y aller. Il y a un protocole pour la recherche dans la section de la détruction. Regardez pour nous. Regardez pour nous, est-ce que Haïti, d'abord, parce que nous faisons des recherches, est-ce que Haïti n'a pas signé un accord bilatéral avec les États-Unis sur la question de l'extradition? Deuxième point important, c'est que nous le connaissons. Haïti n'a pas obligé de signer un accord bilatéral, mais dès lors que Haïti signe un accord multilatéral qui gagne partie la dame, Haïti partie la dame, États-Unis partie la dame sur l'extradition, automatiquement, il y a une extradition entre Haïti et États-Unis. Maman, vous pouvez me dire. Bon accord qui signe sur l'extradition, qui dit.
Haïti, Saint-Domingue, la France, Canada, Barbade, peu importe. Je dis qu'il y a 40 pays qui ont signé son accord d'extradition. Je suis d'accord que si vous avez une façon qui commet tout dans le territoire 40 pays, vous payez l'autre pays, vous avez commandé pour le cadre. Automatiquement, que Haïti, il y a un accord d'extradition avec les États-Unis. Il y a le bilatéral, les multinationales, les multilatérales. Donc, moi-même, je connais des accords qui existaient entre Haïti, partie la donne, et États-Unis, partie la donne, sur question d'extradition. Les battants, c'était pour nous, les recherches, d'abord, parler de ces questions. Moi, mon unité, son pratique, mais par les 17 ou les 20, non, pas du tout. C'est pas la pratique. C'était moins sur Julien. Blanc, pas jamais de mal à être connu, pas existé sur le plan et illégal. Pour nous pas voter nèg qui dans drogue qui dans kidnapping qui dans gang qui dans vol qui dans corruption parce que nèg ça a une épée d'amoclès sous doyo yo pas jamais ca négocier ces deux bagages pour le pays on met devant ces professeurs et c'était là une justice qu'on vous travaille pour faire c'est important avec la politique bon avec la politique c'était une justice qu'on vous travaille pour faire ni capable avec ministre à l'étranger là une justice j'aime tout dire mon ministre à l'étranger là c'est important pour nous parce que consulter la société c'est bien sûr d'accord que nos grands pays c'est objet de débat gouvernement réel c'est arrivé à travers une question de notion. Mon cap défendre les partisans de Guy Philippe, les refusés de Guy Philippe. Moi, je ne connais avec Guy Philippe, je ne connais même pas. Non, ma défense est au principe, c'est important. Et ça va défendre bon pour Guy Philippe, tout demain, si je veux, il y a eu. Il ne pas un candidat, même pour la président. Je vais te faire si Haïti, je vais te faire juger, et il y a ça déjà. Nous connaissons déjà. Nous ne pouvons pas juger pour blanchiment. Et dans ton cas, ma petite parenthèse, moi, étant des juristes qui énoncent, qui disent, oui, extraction du blanchiment, il n'est pas consacré dans le droit interne noir, dans le droit haïtien, parce que bureau pour chez Guy Philippe des faits de